ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد يا إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد انتهينا من دراسة هذه الأصول الثلاث. نعم، أصول من أصول أهل السنة والجماعة، أو أصول منهج النبوة. طيب، بعد ذلك يرجع المؤلف إلى مسائل قد ذكرت فيما مضى تتعلق بالمنهج كذلك. ومن تلك المسائل كما عنون على ذلك المؤلف: من علامات أهل السنة حب أئمة السنة وعلمائها. هذا باب عظيم ونقطة مهمة. Donc mes frères, inshallah, après avoir étudié les trois grands fondements des gens de la Sunna, qui, je le rappelle, sont premièrement al-ubudiyya, qui est en fait l'asservissement à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration, l'adorer lui seul sans lui associer, et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en fait al-mutaba'a. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième, c'est l'uzum al-jama'ati wa al-sam'u wa ta'a li wali al-amri min ghayri ma'siyah. Donc le deuxième fondement parmi les fondements des gens de la sunna, c'est l'attachement au groupe et l'obéissance et l'écoute à observer face au gouverneur ou envers les gouverneurs, n'incluant pas une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin le troisième, et c'est le cours que nous allions étudier la semaine dernière, qui est la mise en garde et la méfiance contre les innovations et les innovateurs. Alhamdulillah, j'espère qu'Inch'Allah, Yann, vous avez profité et que vous avez compris beaucoup de choses à travers ces trois fondements. Après ceci, le mu'allif, Inch'Allah, va expliquer certaines choses ou revenir sur certaines choses qu'il avait déjà évoquées dans le livre et les expliquer un peu plus en détail. Mais le fait qu'il y revienne, ça montre l'importance de ces choses. Il a mis en tête de ce chapitre, ou comme titre de ce chapitre, parmi les signes des gens de la sunna, il y a l'amour qu'ils portent aux savants de la sunna, et à leurs imams. L'amour qu'on doit porter aux savants de la sunna et aux imams, aux grands imams des savants de la sunna. Et vous verrez, Inch'Allah, qu'à travers ce cours, nous allons, Inch'Allah, relever plusieurs ambiguïtés, Inch'Allah, qui traînent et qui sont disséminées à travers notre époque, ou à notre époque, à travers la Ummah. Taïb. يقول المؤلف وذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في مصنفاتهم في العقيدة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا كثيرا من علامات أهل السنة أهل الحديث. Nous savons ont évoqué dans leurs écrits concernant le dogme ou la croyance ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont évoqué beaucoup de signes des gens de la sunna, autrement dit les gens du hadith. Nous verrons que dans ce chapitre, inshallah, l'auteur du livre rapporte beaucoup de paroles de l'imam Sabouni, Abu Uthman Sabouni. Dans ce livre, inshallah, l'imam Abu Uthman Sabouni rapporte la croyance des gens de la sunna, et parmi les choses qu'il rapporte dans son livre, il y a justement ces signes distinctifs qui caractérisent les gens de la sunna par rapport aux gens de l'innovation religieuse. Non. Ici, le mu'allif nous dit, l'imam Sabouni, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre, la croyance des salafs concernant l'explication et l'éclaircissement des signes des gens de la sunna, il dit, parmi les signes des gens de la sunna est l'amour qu'ils ont envers les imams de la sunna, leurs savants, leurs secoureurs, leurs alliés, ainsi que l'aversion qu'ils ont envers les gens de l'innovation, ceux-là même qui appellent au feu de l'enfer et montrent la voie à leurs partisans,
la voie de la demeure de la perdition. نعم قال الإمام الصابوني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. طيب. Donc déjà, cette parole de l'imam Sabouni, elle plante le décor. Et voilà mes frères, on vient à une époque où nos savants sont dénigrés, ouvertement, sans aucune pudeur de la part de ceux qui les dénigrent. Et comme nous allons le citer, Inch'Allah, nous allons rapporter des paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah, toute personne qui dénigre les savants de la sunna reconnus comme tels fait partie des gens d'innovation. Yaqulu l'imam Sabouni, بعد ذلك وقد زين الله سبحانه وتعالى قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وعلا ومنة qu'il soit exalté tabaraka wa ta'ala a embelli le cœur des gens de la sunna et les a illuminés par l'amour des savants de la sunna comme une grâce de sa part qu'il soit exalté et une faveur. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك أسكننا الله وإياه الجنة حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل حدثنا أحمد بن سلمة قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان كتابا له فكان في آخره إذا رأيت رجلا يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم انه صاحب سنه. Nous avions déjà évoqué cette parole. Donc il dit Al-Hakim Abu Abdillah, qu'Allah lui donne résidence au paradis ainsi que nous, amin, nous a informé et a dit Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl nous a rapporté de Ahmed ibn Salama, Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id nous a lu le livre de la foi. À la fin de ce livre, il y avait ceci. Lorsque tu verras un homme aimé, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Shu'ba, Ibn al-Mubarak, Abu al-Ahwas, Sharik, Waqi'a, Yahya ibn Sa'id, Abd al-Rahman ibn Mahdi, sache qu'il fait partie des gens de la Sunna. Vous les connaissez, ces gens? Ces savants? Non. Il faut apprendre à les aimer, mes frères. Comment? Justement, en lisant leurs biographies respectives. قال أحمد بن سلمة فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. Il y a une faute d'impression ici. سميتهم كلهم. أحمد بن سلمة a indiqué j'ai rajouté de ma main en dessous de cette liste يحيى بن يحيى. أحمد بن حنبل et إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. Et lorsqu'il arriva à cet endroit, les gens de Naïsabour nous regardèrent. Il dit, ces gens-là détestent Yahya ibn Yahya. Nous lui dîmes, ô toi, Abaraja, qui est Yahya ibn Yahya? Il répondit, c'est un homme pieux et un guide pour les musulmans. Et Ishaq ibn Ibrahim est un imam. Et Ahmed ibn Hanbal, pour moi, a plus de valeur que tous ceux que tu as cités. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي. J'ai certes rajouté de ma main à ceux qui ont été cités par Qutaybah,
qu'Allah lui fasse miséricorde, toute personne qui les aime est considérée comme faisant partie de la sunna. Ils sont les grands imams parmi les gens du hadith, par lesquels on se guide et dont on suit les traces. Ils sera compté parmi leurs groupes, leurs suiveurs, leurs co-religionnaires, et ils excelleront dans le suivi de leurs traces. Il y a aussi parmi eux Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. بعد ذلك ذكر جماعة من أهل السنة لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة ويبغضون أئمة أهل البدع وأهل البدع والمنتسبين إلى البدع لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلا على انتسابهم وعلامة على صدقهم ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تمادت به الأجيال وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم أنك تجد رجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق يقولها رجل في أقصى الجنوب وتجد رجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق يقولها رجل في أقصى الغرب فكلمتهم واحدة لأن المعين واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà mes frères, c'est une parole très importante. Écoutez bien. Il cita un nombre des gens de la sunna, car parmi les signes distinctifs des gens de la sunna est le fait qu'ils aiment les imams des gens de la sunna, ceux qui s'affilient à la sunna, ceux qui détestent les imams des gens de l'innovation, ainsi que les innovateurs, ou ceux qui s'affilient à l'innovation. Car Allah, qu'il soit exalté, a mis en place ces signes distinctifs clairs comme preuve de leur affiliation, comme signe de leur sincérité. Car la croyance sur laquelle ils sont tous est la croyance de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même si les générations se succèdent, et ceci est l'un des signes de leur véracité concernant leur voie qu'ils ont empruntée, de leur affiliation, de leur croyance. Certes, tu trouveras une personne à l'extrême nord proférant la parole de vérité, et l'homme à l'extrême sud la proférant aussi. De même que tu trouveras la personne parmi les gens de la sunna à l'extrême orient proférant cette même parole de vérité, et tu trouveras la personne à l'extrême occident proférant aussi cette parole. Leurs propos sont uniques, car leur source est unique, c'est le livre d'Allah et la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions déjà cité cette parole, mes frères, de Qawam al-Din al-Sunna al-Asbahani, lorsqu'il disait que parmi les signes distinctifs des gens de la sunna, c'est qu'ils tiennent un discours unique. Même s'ils vivent à des endroits différents, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils vivent à des époques différentes, vous trouverez qu'il y a toujours le même fil conducteur qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes propos, la même croyance, la même vision de voir, la même façon de voir les choses. Et ceci nous prouve quoi? Qu'ils sont sur la vérité. Car la source est unique. C'est le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont en premier lieu le prophète et les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve claire et nette, mes frères. Vous prenez n'importe quel savant à notre époque des gens de la sunna, et vous verrez que ses propos sont en conformité et en adéquation avec les propos des pieux prédécesseurs. Vous prenez les paroles de l'imam Cheikh Al-Albani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Rabah ibn Hadi al-Madkhali, et autres. Cheikh Al-Fawzan, tous leurs propos, leurs croyances, leur façon d'enseigner, tout ça c'est calqué sur quoi? Sur ce qui était déjà à l'époque. À l'époque des pieux prédécesseurs. Ceci est une preuve claire et nette que cette voie-là est la voie de la vérité. Contrairement aux gens de l'innovation, qui bien sûr adaptent leurs croyances et leurs conceptions par rapport aux vicissitudes du temps, par rapport aux événements qu'ils vivent, aux événements qu'ils subissent. Comme l'avait dit Cheikh Rassan au début de ce livre, rappelez-vous, il avait dit que parmi les fondements de la voie prophétique, c'est que ces fondements, ils ne vacillent pas, ils ne tremblent pas dans le temps. Ils ne sont pas touchés par des coutumes locales, n'am, ou des paroles contemporaines inventées, ou des conceptions inventées, contrairement aux conceptions, aux idéaux et aux idéologies des gens de l'innovation. L'imam Saboni continue et dit وَهُمْ جَمِيعًا اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِذْلَالِهِمْ وَإِخْزَائِهِمْ
وإبعادهم وإخصائهم والتباعد منهم، ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. Ils sont tous unanimes sur la domination qu'exercent les gens de la Sunna sur les gens de l'innovation, leur rabaissement, leur humiliation, leur écartement, leur éloignement, le détachement d'eux, de leur compagnie et de leur côtoiement, en prenant en considération que ces délaissements et ces écartements est un acte par lequel on se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Oui, na'am, mes frères, c'est un acte d'adoration. Le fait de s'écarter des gens d'innovation, de s'écarter de la bid'ah, de n'importe quelle façon, c'est un acte d'adoration par lequel on se rapproche d'Allah et on espère la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, le ijma' ici, l'imam Sabouni a rapporté le consensus des gens de la sunna sur ça, sur ce principe-là. L'imam al-Barawi aussi a rapporté le consensus des gens de la sunna et autres, comme l'a cité Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dans l'explication de Aqidat al-Salaf. يقول الإمام الصابوني الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم عقيدة السلف يقول وأنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه متبع لآثارهم ومستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أكوارهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصبوه بكل سوء ومكروه. L'imam al-Sabouni, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son glorieux livre La croyance des salafs, et je suis par la grâce d'Allah et par son bienfait, qu'Allah soit exalté, suiveur de leurs traces, éclairé par leur lumière, conseiller pour mes frères et mes compagnons, qui ne doivent relever que leur lumière, ne doivent suivre que leurs propos, ne doivent pas s'occuper à ces choses inventées parmi des innovations qui sont devenues courantes parmi les musulmans, et aussi de connaître ces choses répréhensibles dans les problématiques qui sont apparues et qui se sont propagées, que si une seule d'entre elles était survenue ou apparue sur la langue d'une seule personne à l'époque de ces grands savants, ils l'auraient laissé de côté et abandonné, et l'auraient taxé d'innovateur, l'auraient traité de menteur et l'auraient injurié de tout propos mauvais et dénigrant. Alors que l'imam Sabouni, il a vécu dans les premiers temps de l'islam, au 4e siècle, entre le 4e et le 5e siècle de l'Hégire. Et là, il parle quoi? Il parle à son époque de personnes qui profèrent des propos innovateurs. Et il dit, si ces mêmes personnes proféraient ces mêmes propos à l'époque des grands savants, ils l'auraient traité de la sorte. Ils l'auraient taxé d'innovateur. Ils se seraient écartés d'eux. Ils l'auraient taxé de tout propos dénigrant et injurieux. Et bien sûr, ils l'auraient traité de menteur. Que dire des gens à notre époque? ثم يقول ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. Je dis que mes frères, qu'Allah les préserve, ne soient pas trompés par la profusion des gens de l'innovation, ni la multiplication de leur nombre. Car la multiplication des gens du faux et la raréfaction du nombre des gens de la vérité est un des signes de l'approche du jour de la vérité. Est un des signes de la fin des temps. Car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, a dit, parmi les signes de l'heure et de son approche, il y a la raréfaction de la science et la profusion de l'ignorance. Et l'imam Sabouni, il dit, la science c'est la sunna, alors que l'ignorance c'est l'innovation religieuse. Qultu, fala yaghurranna ikhwani hafidahum Allah, kathratu ahli al-bid'a, wa wufuru adadihim, fa inna wufura ahli al-batili wa qillata adadi ahli al-haqqi, min alamat iqtirab al-yawm al-haqq. Cheikh Hassan ici, comme je l'avais déjà cité, réitère les propos de l'imam Sabouni mot pour mot, bil harf. Pour quelle raison, mes frères? Qui peut me rappeler la raison?
Taïb. C'est une des raisons. La deuxième. Pourquoi réitérer les mêmes propos que l'imam Sabouni? Non. Barakallah fi kamel. Non. L'iqtida bi salaf hatta fi tahrid al-kutub. Même dans la rédaction des livres, on prend comme trace, on garde le même mustalah, la même terminologie que salaf. On ne sort pas de ce cadre. Et ici, Cheikh Rastan, Hafidahullah, tabaraka wa ta'ala, à plusieurs endroits dans ce livre, il a fait ceci, et il va le faire plusieurs fois. Il cite la parole de l'imam, il la réitère mot pour mot, pour montrer que on ne sort pas de kalam salaf. Non, on ne rajoute pas, on ne diminue pas. Al-iqtida ul kamil, c'est un suivi parfait et complet. Et bien sûr, ala bab al-ta'kid wa tarsikh hadha al-ilm fi adhan an-nas. Aussi pour appuyer ses propos et qu'il s'ancre dans l'esprit des gens ou dans le cœur des musulmans et des croyants. Donc il répète, il dit: je dis que mes frères, qu'Allah les préserve, ne soient pas trompés par la profusion des gens de l'innovation, ni la multiplication de leur nombre, car la multiplication des gens du faux et la raréfaction du nombre des gens de la vérité est un des signes de l'approche du jour du jugement. Ne soyons pas trompés, mes frères. Les gens de la sunna ont toujours été minoritaires. Est-ce que ceci signifie qu'ils sont dans le faux? Bien au contraire. À de nombreux endroits dans le Coran, Allah nous montre que les gens de la vérité sont toujours une minorité. Naam, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de gens peu nombreux ont la domination et la victoire sur un grand nombre de personnes par la permission d'Allah? Pourquoi? Pour quelle raison? لأنهم على الحق. Car ils sont sur la vérité. Naam, les frères? وَلَئِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu devais obéir à tous les gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Et le discours est adressé au prophète ici. Ceci signifie clairement, mes frères, que la plupart des gens sont destinés à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. L'enfer sera rempli d'hommes et de djinns, contrairement au paradis. Donc ne soyons pas trompés par les gens qui sont dans le faux, les gens qui sont dans les innovations religieuses. Ceci ne doit pas être un critère de jugement pour nous. Le seul critère de jugement sur lequel on doit se baser, c'est la conformité avec les enseignements du livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni plus ni moins. Non. L'envoyé a dit, comme ceci est rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim, d'après une version de Abi Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: certes, la foi se réfugie à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. Non. Pourquoi avoir cité ce hadith ici, mes frères? Car à la fin des temps, lorsque les gens de bien se rarifieront, non, il y aura une pénurie des gens de bien. Non, comme il peut y avoir une pénurie d'eau dans les pays secs et chauds. Les gens de bien se réfugieront où? À Médine. Non. La foi se réfugie à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. L'envoyé d'Allah a dit, comme rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après une version de Anas ibn Malik, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, l'heure ne surviendra pas avant qu'on ne dise plus sur terre Allah, Allah. C'est-à-dire que la science ou les gens de bien qui suivent la science religieuse se rarifieront jusqu'à ce qu'il ne restera plus personne parmi ces gens-là. Et personne sur terre ne dira Allah, Allah. Et bien sûr, ça c'est un des signes probants de l'approche de l'heure du jugement. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف: ومن تمسك اليوم بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها
كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. L'imam Sabouni a dit, celui qui s'accroche fermement aujourd'hui, il parle de son époque. Donc la chose, elle est encore plus vraie à notre époque. Celui qui s'accroche fermement aujourd'hui à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui agit en conformité à elle, et fait preuve de rectitude sur elle, et appelle à elle, verra sa récompense plus complète et plus importante que la récompense de celui qui s'en tiendra à tout ceci dans les premiers temps de l'islam et de la religion. Car l'envoyé, Al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il aura la récompense de 50 hommes. Et on lui demanda, 50 hommes parmi eux, parmi les gens de son époque? Il répondit, non, 50 hommes parmi vous. Autrement dit, parmi vous, les sahaba. La personne qui agira dans ces périodes de troubles, ou tenir à sa sunna et à sa religion, c'est comme prendre une braise dans sa main. Aussi difficile que ça, il aura la récompense de 50 personnes parmi les sahaba. Naam les frères. Faya bushra liman tamassaka al-yawm bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa 'amila biha wa istaqama 'alayha wa da'a ilayha wa hadhihi al-bushra min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hiya له أجر 50 فقيل 50 منهم قال بل منكم. Quelle bonne annonce pour celui qui s'accroche fermement aujourd'hui à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'il l'applique. Qu'il fait preuve de rectitude sur elle. Qu'il appelle à elle. Cette bonne annonce de l'envoyé d'Allah est, il aura la récompense de 50 hommes. On lui demanda 50 hommes parmi eux, parmi ses contemporains. Il répondit non. 50 hommes parmi vous, sahaba. Regardez un petit peu, mes frères, la faveur, l'honneur d'être sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِهِ عِنْدَ وَفْرَةِ الْبِدَعْ وَتَكَاثُرِ أَهْلِهَا وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète n'a évoqué ceci que pour celui qui agira en conformité avec sa sunna lorsque la communauté sera dans la corruption, dans le désordre, dans la perversion morale et religieuse, lorsque les innovations religieuses seront à profusion et que ses partisans se multiplieront lors de leurs acharnements contre les gens de la sunna et la guerre qu'ils déclareront à ceux avec quoi est venu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. As'alukum billahi, yakhwati al-kiram. Les gens de la sunna ne sont pas attaqués à notre époque? De tous les côtés. Des mécréants, et des innovateurs. Et même des gens qui se prétendent de la sunna. Naam. Et ceux qui sont au premier front et qui sont attaqués en premier, c'est nos savants. Allah al-Musta'an. Wallahi akhwati al-kalam. Hubbu a'immati ahli sunnati min al-iman. Ça fait partie de la foi, mes frères. Si nous, on ne défend pas nos savants, il ne faut pas attendre les innovateurs qui les défendent à notre place. Naam, les frères. Si nous, on ne défend pas l'honneur de nos savants, pensez-vous que les innovateurs vont le faire à notre place? Et je vous ramènerai à propos tout à l'heure du Amir al-Mu'minin Harun al-Rashid. Comment il a préservé, comment il s'est mis en colère pour la sunna. Et on va comparer avec notre état actuellement. Faqad rawa Abu Uthman. Abu Uthman huwa l'imam al-Sabuni. Rahmatullahi tabaraka wa ta'alihi bi sanadihi wijadatan. Hatta balagha ibn Shihab wa huwa al-Zuhri. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alihi. Qal. تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. Abu Uthman, donc c'est l'imam al-Sabouni, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté par une chaîne de transmission, Wijadatan. Wijadatan, c'est une terminologie dans le Mustalah al-Hadith, qui signifie en fait qu'il a lu un livre
d'un savant sans que ce savant-là lui dise « Tu peux rapporter le hadith de moi. » Mais il l'a vu dans un livre, il l'a rapporté. D'accord ? Ce qu'on appelle « wijada »,« wajadtu ». Non, « wajadtu khatta shaykh fulan », par exemple. J'ai vu les écrits de tel shaykh et il les rapporte. Tant qu'il dit « faqad rawaytu wijadatan », il n'y a aucun mal à dire. Il dit « j'ai rapporté wijadatan », c'est-à-dire en lisant les narrations d'un tel et d'un tel. Par contre, s'il dit « d'après un tel directement », là c'est du tadlis. Il y a cette notion de « il a rapporté lui-même sans avoir lu » et le shir lui-même l'a autorisé à rapporter. Donc ici, l'imam Sabouni, il dit « j'ai lu les écrits » et là il parle de son grand-père. Il parle de son grand-père. Il a lu parmi les narrations de son grand-père qui était un grand savant des gens de la Sunna aussi. Et il dit « j'ai trouvé » donc ça c'est pas dans le livre, c'est moi qui vous le dis. J'ai trouvé le livre du Shir, Al-Imam, mon grand-père Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi al-Sabuni, son grand-père. Qu'Allah leur fasse miséricorde, par lecture de son écriture, Wijadatan, jusqu'à ce qu'il arriva dans la chaîne de transmission à Ibn Shihab al-Zuhri. Non. Il dit, ça c'est la parole d'Ibn Shihab al-Zuhri, l'apprentissage d'une sunna est meilleur que l'adoration de 200 ans. L'apprentissage d'une sunna est meilleur que l'adoration de 200 années. Qui a dit cette parole ? L'imam al-Zuhri. Qui vous dira qui est cet imam ? Il fait partie des grands imams parmi les tabi'in. Wa akhraja aydan anna Aba Muawiyah ad-Darir kana yuhaddithu Harun ar-Rashid fa haddathahu bi hadith Abi Hurairah radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu wa huwa muttafaqun alayhi. احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف قال فما زال يقول حتى سكت عنه. Il rapporta également de Aba Muawiya, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abu Muawiya al-Darir, c'est un grand savant des gens de la Sunna, même si certains l'ont accusé d'avoir des erreurs dans l'irja, dans la croyance des murji'a. Walakin, le plus probable, c'est que c'est quelqu'un de la sunna et les gens de la sunna le respectaient et le vénéraient à son époque. Donc, Abu Muawiya était, ou il s'entretenait avec Harun al-Rashid, al-Khalifatul Abbasi, le calife abbaside, qui est le père ou le grand-père de l'Ma'moun. Vous vous rappelez de l'Ma'moun ? Celui qui a intégrer ou accepter la croyance des Mu'tazila et qui a châtié l'imam Ahmed et qui avait comme mauvais conseiller Ahmed ibn Abi Duad al-Mu'tazili al-Jahmi. Walakin Harun al-Rashid, c'est une autre histoire. Kana imaman kana muhibban lis-sunnah wa kana yudafi'u anha. Il défendait la sunna. C'était quelqu'un qui aimait la sunna. Et c'est, il était connu pour aimer la science et c'était un grand adorateur. On rapporte de lui qu'il faisait presque 1000 raka'at par jour. Donc il s'entretenait, Harun al-Rashid s'entretenait avec Abu Muawiyah al-Darir. Et Abu Muawiyah lui rapporta un propos de Abi Huraira, hadith authentique, dont l'authenticité est unanimement reconnue. Où Adam s'entretena avec Moussa. Vous connaissez ce hadith ? C'est lorsque Moussa a dit à Adam, « Ya Adam, Allah t'a créé de sa main, puis il a insufflé en toi son esprit, puis il a fait que les anges se prosternent devant toi, puis il t'a fait rentrer au paradis, puis à cause de ton péché, il t'a fait descendre, et les gens vivent sur terre à cause de ton péché. » Et Adam, il lui a rétorqué quoi ? Il lui dit, « Ya Moussa, Allah t'a choisi, فَاسْتَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِ. Allah il t'a choisi par son message et par sa parole. Et il t'a révélé les tablettes, al-alwah. Il lui a dit, la Torah, elle a été écrite combien de temps avant que je sois créé ? Moussa lui a dit 40 ans. 40 ans avant que tu sois créé, Allah avait écrit déjà la Torah. Alors Adam il lui a dit, comment alors peux-tu me critiquer sur une chose qui a été écrite dans la Torah 40 ans avant que je sois créé ? Non. Donc ici, on va dire, c'est dans l'argumentation, c'est Adam qui a gagné. Cet homme-là, Ali Abu Ja'far, il a dit, comment
Comment se fait-il que Adam ou Moussa, qui n'ont pas vécu à la même époque, puissent s'entretenir? Lorsque Haroun al-Rachid il a entendu ça, il a sauté sur lui. Il a sauté sur lui et il lui a dit, il te rapporte un propos de l'envoyé et toi tu le réfutes avec le comment, Kaïfa. Et il ne cessait de lui répéter ceci jusqu'à ce qu'il le fit taire. Dans une autre version de ce récit, car ce récit a été rapporté par le Khatib al-Baghdadi, fi Tarikh al-Baghdad, et l'imam al-Fasawi, fi Ma'rifati wa Tarikh. Il y a deux versions de ça. Dans une autre version de ce récit, un homme parmi la descendance de Quraysh était présent. Même parmi les notables de Quraysh. Musulmans, il était. On ne parle pas de notables de Quraysh à l'époque du prophète qui était mécréant. Il était dans l'assise. Et lorsqu'il a entendu ça, il a posé cette même question. Et là, le khalif, le calife Haroun al-Rashid, il a dit « Al-Nat'a wa Saif ». C'est quoi le nat'a, mes frères? On l'avait déjà expliqué. Al-Nat'a, c'est ce tapis en cuir que l'on pose lorsqu'on veut exécuter des personnes afin de ne pas tacher le sol. On appelle un nat, on le dépose par terre, on met la personne dessus et on l'exécute. Haroun al-Rashid, il a dit, ramenez-moi le tapis là et l'épée, afin que j'exécute. Regardez comment il défend la sunna. Sur un kalam, sur un propos. Ah là, mes frères, c'est ça la jalousie, mes frères. El rire, la jalousie pour la sunna. Est-ce que nous avons ceci? Est-ce qu'on est comme ceci? Wallah, les Cheikh Rabia, vous savez ce qu'il dit? Il dit, la première fois que j'ai entendu ce récit, que j'ai lu ce récit, j'ai pleuré. Il a dit, par Allah, j'ai pleuré. Et maintenant, nous sommes dans la force de l'âge. Et qui parmi nous, parmi les gens de la sunna, nous défendons la sunna comme l'a défendu Haroun al-Rashid? Qui parmi nous défend la sunna comme ceci? Allah al-Musta'an. Et ensuite, lorsqu'il a voulu tuer, Abu Muawiyah a dit, est parti voir le calife, il lui a dit, laisse-le. Innaha badira. Badira, c'est une parole qu'il a dit vite. Innaha badira. Jusqu'à ce qu'il a réussi à le calmer, il l'a laissé tranquille. Hakadha yanbari lil mar'i an yu'azzima akhbara Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yuqabilaha bil qabul wa bit taslim wa tasdiq wa yunkira ashadd al inkar ala man yasluku fiha ghayra hadha al tariq alladhi sarakahu Haroun al-Rashid rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi ma'a man i'tarada ala al khabar al sahih alladhi sami'ahu bi kayf على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi qu'il convient à la personne de prendre en haute considération les informations de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'agir en face d'elle ou par rapport à elle par l'acceptation, la soumission et la véracité, les déclarer véridiques et de réprouver de façon tranchante sur toute personne qui suivrait un autre chemin que celui qu'a suivi Haroun al-Rashid. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Comme celui qui s'opposa à l'information véridique qu'il avait entendue par la question « Comment ?» Et ceci afin de réprouver et de s'écarter de lui, car il n'a pas accepté comme il conviendrait d'accepter tout ce qui était rapporté de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وهو من مستلزمات ذلك أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. Parmi un des signes les plus distinctifs des gens de la Sunna, après l'unicité de leur Seigneur et après le suivi de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est, par voie de conséquence, l'amour qu'ils portent aux imams des gens de la sunna et à leurs prédicateurs. Naam, les frères. فَإِذَا وَجَدْتَ رَجُلَ يُبْغِدُ أَهْلَ السُنَّةِ وَالدَّاعِينَ إِلَيْهَا وَعُلَمَاءَهَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَأَنَّ فِي قَلْبِهِ مَرَضًا وَإِذَا وَجَدْتَ رَجُلَ هَوَاهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة فاعلم أنه ليس على شيء لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة
أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. Si tu trouves un homme ayant une aversion envers les gens de la sunna, leurs prédicateurs et leurs savants, sache que cette personne n'est basée sur rien et que dans son cœur il y a une maladie. Et lorsque tu trouveras un homme dont ses passions vont avec les gens de l'innovation, et son désir avec les gens de l'innovation, et les mouvements de sa vie avec les gens de l'innovation, et qu'il déteste les gens de la sunna, sache que cette personne est basée sur rien. Car une des caractéristiques les plus probantes chez les gens du hadith, les gens de la sunna et du groupe, est que la quintessence de l'alliance et du désaveu chez eux est le suivi de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous allons traiter, inshallah, nous allons faire une allusion à al-hizbiyya, le sectarisme, qui bien sûr est prédominant dans la communauté. فَإِنَّ لِلْرَجُلِ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ سِمَاتٍ وَأَوَّلُ هَذِهِ السِّمَاتِ هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للوراء والبراء. Certes, la personne sur la voie prophétique se caractérise par des signes distinctifs. Le premier de ces signes est que la quintessence de l'alliance du désaveu chez lui est le suivi de l'envoyé d'Allah. Il n'y a pas de place chez lui pour le sectarisme qui contraint la personne ou un principe ou un livre en dehors du Coran glorieux et de la sunna prophétique et qui constituerait chez lui la quintessence de l'alliance et du désaveu. Non, mes frères, comment reconnaître une personne qui est sectaire? C'est très simple. Nous l'avions déjà expliqué, mais je vais le répéter ici, Inch'Allah. Al-Hizbiyya, le sectarisme, c'est lorsque on fait une alliance et un désaveu, on aime et on déteste pour une idéologie, pour une personne, pour une conception, pour un livre, alors que cette personne-là ne suit pas la voie d'Allah et de son prophète, que ce livre-là est en non-conformité avec le livre d'Allah, que cette idéologie-là est en non-conformité avec la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous verrez des gens qui suivent des personnes, ou des livres, ou des conceptions religieuses, qui sont en opposition avec les enseignements prophétiques, et qui s'acharnent dessus, qui défendent corps et âme ces conceptions-là, ou ce livre-là, ou ces personnes-là, sachez qu'ils sont dans le sectarisme. N'âme, les frères? C'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose. Le critère du jugement pour savoir si une personne est sur la vérité, ce n'est pas son apparence physique, même si c'est important. Ce n'est pas le fait qu'il a beaucoup d'alliés avec lui, beaucoup d'ansar, beaucoup de gens qui le soutiennent. Ce n'est pas le fait qu'il a beaucoup de suiveurs. Ce n'est pas le fait qu'il a une très bonne éloquence, ou qu'il est fort en langue arabe, ou je ne sais quoi. Le critère de jugement, c'est qu'il faut passer à la loupe ses propos, sa croyance et ses actes. C'est la seule façon par laquelle on verra si un homme ou une personne sera sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah, mes frères, ceci n'est pas pour dénigrer la personne. Et on ne se croit pas meilleur que ces gens-là en faisant ce travail. Mais ceci est dans un souci de préserver notre religion. إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. Chaque personne qui posterait ou qui érigerait celui qu'il suit, son leader, son chef, son gourou, dans une position où il fera une alliance et un désaveu en son nom ou pour lui, alors que cette personne-là est en contradiction avec les enseignements prophétiques, alors celui-là fera partie des gens de la division et de la dissension. فقد قال الشيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في معرض كلام له على حديث الافتراق وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول بلا علم
خصوصا. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. شيخ الإسلام دي à travers ses propos concernant le hadith de la dissension. C'est le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan. تفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Avec les différentes versions qu'il y a. Il dit, concernant ce hadith-là, quant à la désignation de ces sectes, les 72 sectes citées nominalement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et destinées à l'enfer, les gens ont rédigé beaucoup d'ouvrages et les ont évoqués dans leurs livres. Mais ce qui est clair et décisif concernant ce groupe déviant, décrit comme faisant partie des 72 sectes, est qu'il faut une preuve sur laquelle on doit s'appuyer. Il faut une preuve sur laquelle on doit s'appuyer avant de dire que telle secte fait partie des gens de l'enfer ou des sectes égarées. Car Allah a strictement interdit tout propos dénué de science d'une manière générale, comme il a interdit tout propos dénué de science de manière particulière et restrictive. Le Très-Haut a dit: « Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, aux gens de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Le Très-Haut a dit aussi, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc les deux premiers versets viennent montrer l'interdiction de parler sur Allah sans science d'une manière restrictive. Le dernier verset, « Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun » de manière générale. Donc Allah a interdit à toute personne de parler sans science. Non ? Et le Très-Haut a dit aussi, ça c'est moi qui l'ai rapporté, c'est pas dans le livre, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, de cela en vérité on sera interrogé. » Non ? وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموارية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aussi, beaucoup de gens parlent sur ces groupes en se basant sur des suggestions et des conjectures, sans s'appuyer sur une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et se basant aussi sur des passions. Là, ils visent qui ici, cher l'islam? Ils visent les gens d'innovation. Ils visent les gens d'innovation qui taxent les gens de la sunna comme étant un groupe égaré. Et ceci, bien sûr, sans preuve. Il considérera son groupe et tous ceux qui s'affilient à lui ou à son chef et saluent avec lui comme faisant partie des gens de la sunna. Hein? Lui, il a sa conception religieuse. Il a son leader et les suiveurs de ce leader. Lui se considère comme faisant partie des gens de la sunna. Mais toute personne qui viendra s'allier avec lui, ou avec son groupe, ou avec son idéologie, alors il dira qu'il fait partie des gens de la sunna. Et toute personne qui viendra s'opposer à son groupe, il dira qu'il fait partie des gens de l'innovation religieuse. Donc il y a une alliance et un désaveu sur quoi? Sur leur conception qu'ils ont inventée. Alors que les gens de la sunna, ils font l'alliance et le désaveu sur quoi? Sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur disons à tous ces gens-là,
Si vous prétendez être sur la vérité, ramenez-vous vos preuves si vous êtes véridique. Nam, et on les étudie à la lumière du livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'affaire va être vite réglée. Donc, il dit, il considérera tous ceux qui s'y opposent comme faisant partie des gens d'innovation. Et ceci est un égarement évident. Car les gens de la vérité et de la sunna n'ont comme guide que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le message clair. Donc, le fait d'accuser les gens de la sunna d'innovateurs ou de sectes déviées ou déviantes, alors que les gens de la sunna n'ont comme guide que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, bien sûr, est un jugement porté, basé sur des passions ou sur des conjectures ou des mensonges. L'arabe, comme dit Cheikh l'Islam. Et le prophète a dit, il ne parle pas sous l'emprise de la passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Il est celui dont on doit déclarer véridique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce dont il nous a informé, obéir à tout ce qu'il nous a ordonné. Et ce statut, cette place, hadhihi al-manzila, obéir à tout ce qu'il nous a ordonné, et déclarer véridique tout ce qu'il nous a interdit, cette position-là, elle est restrictive et elle est spécifique à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ces gens-là, ils mettent leur chef, leur leader, à cette place-là. Comme la secte des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans, qui donnent à leur leader, eux, ils l'appellent al-Murshid al-Am. Al-Murshid al-Am, je ne sais même pas comment le traduire, il lui voue une obéissance totale. C'est une allégeance qu'ils font sur l'écoute et l'obéissance à leur leader. Et ceci, c'est strictement interdit, car l'écoute et l'obéissance à quelqu'un, elle n'est due qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et seulement lui. Donc cette place-là, elle est réservée à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas à des imams. Mais bien le contraire. Car chaque personne peut être réfutée et son propos peut être rejeté, sauf l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà par quoi se caractérisent les gens de la sunna. Walhamdulillah, hadi fadlu min Allah wa minna. C'est une grâce d'Allah, une faveur. Qu'Allah, Inch'Allah, nous ait guidés sur la voie. Nous savons Allah qui nous fasse mourir dessus. C'est la seule voie de sauvetage, comme le disent les savants. Safinatun Naja, ittiba'u Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi i'tiqadihi wa aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi kulliha. Puis il dit, il y a toujours la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, faman ja'ala shakhsan min al-ashkhas ghayra Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jama'a. ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. Il dit, celui qui prendra une personne autre que l'envoyé d'Allah, l'aimant et se conformant à lui, et dira qu'il fait partie des gens de la sunna et du groupe, et que toute personne la contredisant fera partie des gens de l'innovation et de la dissension, comme ceci est présent dans les sectes de ceux qui suivent des imams de la rhétorique et dans la religion et autres, celui-là fera partie des gens de l'innovation et de l'égarement et de la division. Celui qui fait une alliance et un désaveu sur une personne quelconque, quel qu'il soit, un suivi aveugle, une obéissance aveugle, en fermant les yeux sur les injonctions divines et prophétiques, il ne regarde pas ce qu'il y a dans le Coran. La seule chose qu'il considère, qu'est-ce qu'a dit le shir. Naam. Et ceci, on le retrouve aussi, à moins grande échelle, chez certaines personnes qui se revendiquent de la sunna, qui suivent des savants aveuglément. Qala shir. Aïna kalamullah. Aïna kalamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On appelle jour et nuit, les savants jour et nuit, à travers les siècles, on dit, revenez au livre dans la sunna du prophète. Et nous, petit à petit, on est en train de revenir à quoi? At-ta'assub al-a'ma. Cet aveuglement, ce sectarisme aveugle. Où on prend que la parole du shir. Comme si le shir, c'était une révélation. Le shir, c'est pas une révélation, mes frères. Le shir, c'est un moyen pour que tu puisses comprendre les textes religieux. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est en ceci qu'ils ont une place importante. Et qu'ils sont suivis. On les suit quand? Quand ils suivent, quand ils sont sur la sunna et quand ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il n'y a pas de jamais de suivi aveugle. Si le shir se trompe, même si c'est un grand imam, on ne le suit pas. Non, les frères. Sinon, on va tomber dans ce qu'a cité Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans ce kalam. C'est Majmou' al-Fatawa. Non, les frères. Il faut bien avoir ceci en tête. C'est un fondement très important. Le premier fondement de Manhaj al-Nubuwa est l'ubudiyya. نعم هو التجريد العبادة لله تبارك وتعالى والتجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية c'est que tu sois asservi à Allah تبارك وتعالى comme dans son adoration et dans le suivi de son prophète. Donc si tu suis un shir, un imam aveuglément, comment tu peux te prétendre le jour du jugement suivre l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. فما أجابتم المرسلين, lorsqu'on dira au jour du jugement aux gens, qu'avez-vous répondu aux messagers? Qu'avez-vous répondu aux messagers? Avez-vous suivi les messagers? Allah n'a pas dit فَمَا أَجَبْتُمُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَةِ. Il n'a pas dit qu'avez-vous répondu aux savants, aux imams. Il a dit aux messagers. Non, les frères, ça doit rester la référence. Non. وَهَذَا تَرَاهُ فِي الْأَحْزَامِ الْمُخْتَلِفَةِ والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام الشيخ رسن حفظ الله تبارك وتعالى a réitéré la parole mot pour mot de شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأقوم وفارقوا السواد الأعظم وشذوا عن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا للأمة مرشدهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون منه تعلم أنهم من أهل البدعة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. De ceci tu sauras. Ça c'est la parole de Cheikh Raslan. De ceci, ce qui a précédé. Tu sauras que ceux qui se sont mis de côté, qui se sont écartés, qui sont sortis de la voie droite, détachés du groupe, et ont fait preuve de marginalité envers la voie prophétique, et ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum, en mettant en place pour la communauté leur maître spirituel, leurs imams et leurs gouverneurs, s'alliant pour eux et se désavouant pour eux, font partie des gens de l'innovation, comme le dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَسَّبُونَ لَهُ سِوَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Par ceci, il apparaît clairement que les gens les plus en droit de faire partie du groupe sauvé sont ceux cités par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gens du hadith et de la sunna. Ceux-là même qui ne possèdent pas de leader ou de chef, qu'ils suivent aveuglément en dehors de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alladhina yaruddun al-maqalat al-mujmalata ila ma ja'a bihi min al-kitab wal-hikma. فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إذ لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Ce sont les plus savants parmi les gens sur ses propos et son mode de vie, les plus probants dans la distinction entre le vrai et le faux. Leurs imams sont des savants quant à ces choses-là et des gens doués de science concernant les sens qu'elles renferment. Ce sont les gens du suivi dans la véracité, dans l'application et dans l'amour, en s'alliant avec ceux qui s'allient à elle et en prenant en animosité toute personne qui la prendrait en animosité et en aversion, c'est-à-dire la sunna du prophète.
Ce sont toutes personnes qui ramènent des paroles de portée globale à ce qui est venu du livre et de la sagesse. Vers quoi? Vers Al-Muhkam, c'est-à-dire ils ramènent tous ces propos globaux vers les fondements de l'islam et les propos et les textes religieux qui sont sans ambiguïté. Non? Et ils ne sont pas à même de dresser un propos et d'en faire un des fondements de leur religion, ou bien même une parole récurrente chez eux, si cette dernière n'a pas été certifiée et établie par ce sur quoi est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Bal yaj'aluna ma bu'itha bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al-kitabi wal-hikma al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamiduna. Bien au contraire, ils considèrent que toute chose par laquelle a été suscité l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam relevant du livre et de la sagesse, ici la sagesse c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le fondement auquel ils croient et sur lequel ils s'appuient. Donc nous avions déjà évoqué ceci mes frères, que les gens de la sunna, ils reviennent au livre et à la sunna du prophète, ils en tirent les règles religieuses et les fondements. Alors que les gens de l'innovation, ils établissent des fondements et ils viendront chercher dans le livre et la sunna ce qui viendront conforter leurs fondements qu'ils ont établis pour eux-mêmes. فَهَذِهِ مِنْ أَخَصِّ عَلَمَاتِ أَهْلِ السُنَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ السلفيين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الأمين أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع رسول صلى الله عليه وسلم لا ينسبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ. Donc Cheikh Raslan dit, ceci constitue un des signes les plus caractéristiques des gens de la sunna, les gens du hadith, les salafiyyin, ou les salafiyyoun. Beaucoup de gens ont peur de ce terme à notre époque. Alors que c'est un terme qui existe déjà depuis l'époque des salafs. Les salafiyyoun, c'est tous ceux qui s'affilient à la voie des salafs, dans la croyance en premier lieu, dans les propos, dans les actes, dans la moralité, dans le comportement, dans la méthodologie, c'est-à-dire dans la façon d'agir envers les textes religieux. Ahoula, humus salafiyoun. Ceux-là, ce sont les salafis. Ceci constitue un des signes les plus caractéristiques des gens de la sunna, les gens du hadith, as-salafiyyin, qui suivent l'intègre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est que la quintessence de l'alliance et du désaveu chez eux réside dans le suivi de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne mettent pas en avant pour la communauté une personne s'alliant pour lui ou se désavouant pour lui, en dehors de l'envoyé d'Allah. Ils ne possèdent pas de livre, ils n'érigent pas de livre s'alliant pour lui et se désavouant pour lui, en dehors du livre d'Allah et de la sunna de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci constitue le fondement auquel ils croient et sur lequel ils s'appuient. Là. Wa khitaman, yaqulu. ليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينسبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن فمن ابتدع أكوانا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شغرا من قول الخوارج. Car ils croient que, les gens de la sunna, il n'appartient à personne d'ériger pour la communauté une personne qui appelle à sa voix, s'alliant et se désavouant pour elle, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il érige pour eux une parole s'alliant pour elle et se désavouant pour elle, en dehors de la parole d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci relève des actes des gens de l'innovation. Cela même qui érige pour eux une personne ou un propos, créant par ceci la dissension et la division dans la communauté, s'alliant autour de lui sur ce propos ou se désavouant pour cette chose-là. Al-Khawarij ont interprété des versets du Coran selon leurs croyances. Donc c'est un exemple probant à ce que je viens de citer, ou à ce que Cheikh l'Islam a cité. C'est que Al-Khawarij, comment ils ont établi leurs croyances justement?
c'est qu'ils ont forgé, ils se sont forgé une croyance et ils ont été chercher dans le Coran ce qui venait conforter leur croyance, justifier leur croyance, appuyer leur croyance. Et à cause de ceci, ils se sont égarés. Al-Khawarij ont interprété des versets du Coran selon leur croyance et ont considéré tout contradicteur à ceci comme mécréant, comme c'est connu. De par leur croyance à eux, que toute personne qui s'oppose à eux s'oppose au Coran, donc est un kafir. Celui qui innove des propos qui n'ont aucun fondement dans le Coran et considère toute personne s'y opposant comme mécréante, sa parole est pire que celle des Khawarij. Non. Pourquoi ? Les Khawarij, ils ont pris le Coran, ils l'ont interprété d'une mauvaise façon. Et ensuite, ils en ont fait une idéologie. Alors que ces gens-là, ils inventent des paroles, des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Non. Et ils appellent à elles et ils essayent de tordre le cou des textes religieux afin de pouvoir conforter et d'appuyer ce sur quoi ils sont. نسأل الله العافية نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علما